La méditation de ce 18 juillet est intitulée « Les miracles sataniques ». Première partie. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. L'ennemi se prépare à séduire le monde entier par son pouvoir d'opérer des prodiges. Il ira jusqu'à personnifier des anges de lumière et Jésus-Christ lui-même. Aussi loin que son pouvoir s'étend, il accomplira d'authentiques miracles. L'Écriture dit « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. » Apocalypse 13, 14. Et pas seulement ce qu'il prétend faire. Dans ce passage, il s'agit plus que de simples impostures. Mais il y a une limite que Satan ne peut dépasser. Alors, il a recours à la tromperie et falsifie l'œuvre qu'il ne peut réaliser. Dans les derniers jours, il se présentera de telle manière qu'il fera croire aux hommes qu'il est le Christ venu pour la seconde fois dans le monde. Il se transformera vraiment en ange de lumière. Nous sommes à la veille de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, 10. Tous ceux dont la foi ne repose pas fermement sur la parole de Dieu seront séduits et succomberont. Pour dominer les hommes, Satan recourt à toutes les séductions de l'iniquité, qui deviendront de plus en plus puissantes. Mais il ne peut atteindre son but que si les personnes qu'il cherche à séduire se soumettent volontairement à cette tentation. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité et s'efforcent de purifier leur âme par l'obéissance se préparent pour le conflit et trouvent une sûre défense dans le Dieu de vérité. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, dit le Seigneur. Apocalypse 3, 10. Plutôt que de laisser succomber sous les coups de Satan une seule âme qui se confie en lui, Dieu enverrait tous les anges du ciel à son secours. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.